لا شريك له، لا شريك له، له الملك له الملك وله الحمد وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. Alors les enfants, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que celui qui dit 100 fois par jour cette parole, est-ce que c'est beaucoup 100 fois par jour? Oui. Est-ce que vous allez réussir à le faire? Non. Eh bien, en réalité, c'est très facile à le faire. Parce que si tu prends l'habitude de le dire, de dire cette parole 100 fois par jour, en tout, ça te prend à peu près 12 minutes. Et ben, si tu prends ce temps-là pour Allah, pour dire la doucement, tranquillement, sans le dire vite, si tu dis La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul hamdu wa huwa ala wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tu dis cette parole 100 fois. Eh bien, écoutez ce qu'il dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'est comme si que tu avais affranchi 10 esclaves. Vous savez c'est quoi un esclave? Oui. C'est quelqu'un, un homme ou une femme qui n'a pas sa liberté. Elle a un maître et il doit obéir à son maître et il n'est pas libre. Eh bien, le musulman, s'il affranchit un esclave, c'est-à-dire qu'il va voir le maître et lui dit, je paye. Je paye cet homme ou cette femme pour lui redonner sa liberté. Et bien, il gagne plein de hasanat. Et bien, celui qui dit 100 fois cette parole, il aura la récompense d'avoir affranchi, d'avoir libéré combien? 10 esclaves. Et aussi, il aura 100 bonnes actions. 100 hasanat, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? C'est beaucoup. Eh bien, vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai dit, est-ce que c'est beaucoup de dire la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir? Certains ont dit, oh non, c'est beaucoup, moi je ne vais pas le dire. Tu ne veux pas gagner 100 hasanat? Tu l'as déjà fait. Imagine, quelqu'un, il te dit, si tu dis 100 fois la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, je te donne 100 bonbons. Même 100 paquets de bonbons. Tu le dis ou pas? Non. Ah oui. Tu auras 100 paquets de bonbons. T'imagines, c'est pas un paquet, c'est pas deux paquets, c'est 100 paquets. Ou tu vas prendre, ou il va te dire, je vais te donner 100 jouets. Tu vas dans n'importe quel magasin, tu choisis 100 jouets, tout ce que tu veux. Bah, en fait, tu choisis tous les jouets. Tu vas le faire ou pas? Bah oui. T'es d'accord ou pas? Bah, oui. Eh bien, imaginez les enfants que les hasanats, c'est encore mieux que les bonbons. Les hasanats, c'est encore mieux que les jouets. Les hasanats, c'est encore mieux que les sous. Les hasanats, c'est ce qui va être la cause quand Allah Azza wa Jal, il va peser. Il y aura une balance avec deux plateaux. On va peser tes hasanats et on va peser tes sayyi'ats. Les hasanats, ce sont les bonnes actions. Et les sayyi'ats, ce sont les mauvaises actions. Celui qui a fait beaucoup de hasanat, et ben la balance elle va être lourde, 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 et pour aller au paradis. Mais celui qui a pas fait beaucoup de hasanat et qui a fait beaucoup de sayyi'at, et ben la balance des sayyi'at elle sera très lourde. Mais si tu dis la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, si tu dis ça 100 fois, et ben tu en as 100, ça va alourdir. Et en plus, peut-être que tu as fait des erreurs, peut-être que tu as fait des péchés, peut-être que tu as fait des bêtises. Alors,
Allah il te pardonne 100 sayyi'at. En plus de gagner 100 hasanat, tu vas enlever, Allah il va te pardonner 100 sayyi'at, 100 mauvaises actions. Il va nous enlever. Et en plus de ça, les enfants, il est important de savoir que le shaitan il vous veut du mal. Le shaitan il veut que toi tu vas en enfer. Le shaitan il veut que ton papa il va en enfer. Il veut que ta maman elle va en enfer. Il veut que tes frères et sœurs ils vont en enfer. Le shaitan il veut qu'on va tous en enfer. Le shaitan il veut que Mohamed Yassine il va en enfer. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit demander à Allah de nous protéger. Qui veut être protégé contre le shaitan? Regardez, vous levez tous votre main. Et bien, vous savez ce qu'il dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, celui qui répète 100 fois par jour cette parole, il sera protégé contre le shaitan toute la journée jusqu'au soir. Et personne ne fera mieux que cela, à part quelqu'un qui fait plus. Ça veut dire que regarde, si tu veux gagner 100 hasanat, tu veux perdre 100 sayyi'at, tu veux être protégé contre le shaitan, et en plus tu vas avoir la récompense d'avoir affranchi 10 esclaves, et ben répète cette parole 100 fois par jour, répète La ilaha illallah wahda la sharika la. Ça veut dire la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah. Wahda, l'unique. Allah, il est unique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressemble à Allah? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme Allah? Non. Allah, il est unique. Wahda. La sharika la. Il n'a pas d'associé. Il n'y a personne avec lui. Est-ce qu'Allah, il a besoin de quelqu'un qui l'aide? Non. C'est lui le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus puissant. Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika la. Lahul mulk. A lui la royauté. Tout le royaume appartient à Allah. Wa lahul hamd. A lui la louange. C'est-à-dire que je dois lui faire les éloges à Allah Azza wa Jal. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il est capable de toutes choses. Allah, il est capable de toutes choses.